L'artillerie en run, non. On est déjà sur leur spawn. Oh putain, je me suis déjà pris une balle. On a croisé leur armée. Ah, je vais dans leur ligne. Coupez pas la ligne. Ouais, les faites pas chier si vous voulez. Comment t'as réussi à prendre une balle? Je vois même pas les ennemis. Ouais, ils sont dans notre dos là-bas. T'inquiète pas, ils sont. Ils doivent tirer en l'air et croiser les doigts. Non, ils sont à gauche et en fait on les a croisés sans les voir. Ah oui, je les vois là. Il y a l'artillerie juste en face. On y va. Dispersez-vous bien, on va charger l'artillerie avec le 7ème. Je croyais qu'on devait arrêter les charges de falaise. Non, non, être lâché à canon, j'aime ça. C'est pour faire un appui pour le 7ème. Pas de commentaire inutile. La cavalerie est pas loin derrière. Donc c'est des cailloux. Les 7ème ils vont faire tous les kills, on arrivera, il n'y aura plus rien. On s'en fout, c'est où il y a la cavalerie qui les emmerde. Pour laisser leur artillerie, je sais pas comment ils ont réussi leur coup. C'est bien que le 7ème y va, comme ça on se hérita de crever. Bon bah. Putain, je crois qu'ils auront pas besoin de nous. Ouais. Et le 5ème, Arthur qui a tout fait. Continue à prendre des positions. Putain, il en a buté 3 quoi. Ah, il est méchant. 4, 5. Finissez le dernier. À la baïonnette, à la baïonnette. Il y en a encore plein. Pas tous dessus, sinon rien. Ça c'est fait. Venez, suivez-moi. Okay. J'ai rattrapé à gauche. Il y en a un, il y en a encore un. Et finissez-le vite. Mais d'où il sort celui-là? Pas de tir, je vois rien. Vous êtes dangereux les mecs. Moi non plus. Cavalerie en position, on peut monter sur la cavalerie. Oh, moi je vais à côté de l'arbre. Hein. Visez les chevaux, visez les chevaux. Non, ils ont fait ça comme cave. Et remontez, mettez-vous au sommet de la colline et faites du hit and run sur la ligne noire. Les Fire Corps. Pour prendre aucun risque, même si je pense qu'on tire sur le deuxième, c'est autorisé. Ouais, oui, voilà. Moi j'approuve. C'est ce jeu, tu peux tirer sur le noir sans t'en dire rien. Ah, Maximus, ça fait un peu. Même en vrai, tu peux faire ça. Hein. Ouais, je reviens. Restez pas trop paqués autour de l'arme là, ça sert à rien. Ou tire où la tête là, non? Oui. Bon, de toute façon, c'est un mousquet. Hein. Mais moi j'ai une lunette dessus. C'est un lance-boulet de papier. Ouais. Il bouge. Lance coton-tige. Putain la distance quoi. Ils sont noirs. Distance. C'est con que c'est pas comme dans World of Tanks, ça affiche à distance. Pourquoi y'a pas de zoom? Parce qu'on est pas sur Fire and Storm. Parce que c'est à peu près réaliste. Oh, bien joué aussi. Joli. Merci. T'as visé la tête? Ouais la tête. Triché. Écoute, tu vas bien, je vais faire des kills. Ah, ils ont pas capté 8 grandes. Ils ont pas capté 8, c'est avec le canon. Et ils vont prendre cher. Ah, c'est qui vise en même temps. Waouh, ils savent à peu près tirer quand même notre artillerie. Si c'est peu, si c'est peu. Ah merde. Ah, trop tard. Je crois que si c'est le feu, je tire. Pas vrai ça. Bon, la foirée. À droite les gars, on y va. En tout cas ils ont plus de canon, c'est une bonne chose. Ils radent? Ouais, ils sont complètement. Tu sais ce que c'est le rechargement rapide ou pas? Oh putain, on te l'a déjà expliqué. Au dernier frame. La vache. Ok. Attendez, on va se resserrer un petit peu, il n'y a pas de cavalerie donc on va en profiter. Vas-y, resserrez-vous autour de moi un petit peu. Ils vont arriver sur la colline. Et on y va. Ok, nickel. Les 45e prennent cher, les 7e sont plaisir. La routine. Et nous on marche. Nous on marche, ouais. On ramasse les fraises pour la pré-bataille. Il faut qu'on monte sur les chevaux des hussards en fait. Oh, une fraise. Mais si seulement. Un buisson de mur. Si seulement c'était faisable. T'es en groupe, ça serait excellent. Moi je suis à couvert quand je me mets derrière des murs. Attention, je les vois pas à droite, donc les Freikorps doivent être derrière la colline. Ils sont tout en bas, ils sont tout en bas là, ouais. Mais on peut se faire plaisir. Ah, ils sont chiants les 7ème, ils prennent tout là. T'es chaud et où? La claire. La claire? Oh oui, putain, ils forment. Ils forment, ils forment. Si on descend un petit peu là, on peut les planter. Oh les grenadiers là. On peut les shooter d'ici aussi. Si je tire à droite, on sera en contrebas, on aura des mauvaises vies. J'ai pas touché. Hein. Mon mousquet est cassé encore. C'est le feu, c'est le feu. Suis-moi à gauche. Bon, il va rester plus qu'eux après. Ceux qui ont tenté un contournement, ils sont fait complètement massacrer. Mais c'est du viol! Carrément. Ouais, de rusher leur spawn, c'était pas mal. Bah, ils ont abandonné leur artillerie, donc ouais. Ils ont pris cher après. Ça va finir en charge. Ouais. Il y a les deux. On va pas. Ouais, si seulement ils nous laissaient un peu. Ils forment. Ça va être la charge. Ils forment derrière là. Attention. Ils sont où? Ouais. Attendez, on s'en fout, on va faire du hit and run sur eux. Ils ont ils sont là. Ils ont plus de balles. Non, tirez pas, tirez pas. Chargez pas là. On a le droit au tir de charge. Chargez les gars. Désolé, c'était trop tentant. Voilà. Eh merde. Oh le mec il est venu en face de moi, il s'est dit YOLO. Oh là là. Te charger plus. Carabino les gars quoi. Bien joué Maximus. Regarde l'enchaînement de kills Maximus. Et j'étais à -1, je suis à 1. Victoire pour la moustache, messieurs. Oui. Bravo, bien joué. On a eu combien? Une perte? Cuir. On se mettra à couvert. On fera de meet and run après. Bon, pour l'instant, ils continuent à bouger, ils forment pas. Par contre, leurs skirmish ont commencé à nous tirer dessus. Ils sont en train de prendre notre arty. Ouais, ils ont pris notre arty. On n'a plus d'arty, c'est fini. Ah, l'arty, le contrat de confiance. Encore un poteau. Sauter en croupe de cheval, allez. Trop tard. Loupé. Allez. Oh, il a attiré sur Pingus. Percez le flambi. Ah ah. Oh. C'est quoi ce truc? Venez avec moi, venez avec moi. Restez à droite. Restez à droite. Si on était tracé les gars. Pingus, on était où? Préparez-vous à baquer. Il y aura une ligne de l'autre côté de la colline, on fera du hit and run. On va avoir des lignes de feu parfaites. Ah, ils sont à gauche, hein, ils sont à gauche. T'inquiète pas, je sais. Allez, une belle volée de plomb. Allez, on va monter sur les rifles. Non, les rifles, à droite, rifles, à droite. Ah, je les avais pas vu. Sur l'autre côté de la colline. Putain, vous voyez à droite, à votre droite. À votre droite. Attention, Frécorps, attention, celui qui recharge. Même si vous les avez pas vus, si vous entendez rifle, ça doit faire tilt dans votre tête. Putain, j'étais en parade. Je t'ai vengé, mais bon, c'est. Continuez le hit and run, continuez le hit and run. Rifle. Oh, GG, bien. Tiens, un gun. Attends, je recharge et je le prends. Sois pas deg. Chargez, restez à couvert, restez bien. Chargez le net, chargez. Allez-y, go, 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 ne rechargez pas, chargez. Allez-y, tous ensemble. Oh, on va s'attaquer. Non, ils back pas, ils sont prêts. Ah putain. Ils nous font pas. Ils massacrent les. J'avais encore ma balle. Attends, c'est bon, c'est les 7ème les finir. Restez en parade, aucune perte là. Restez en parade, laissez les 7ème les. Mais c'est lui ça. Leur rouler dessus. Reculez les. Putain, Kalen qui a fait une TK, putain. J'ai vu le sabre passer devant mes yeux. Ok, c'est bon, recharger. Continue à commander, Franz. Mais les mecs, par contre, tous les gars, ils sont en train de voir s'il reste des fréquences de l'autre côté. Moi, c'est un où j'ai eu ça dans le. Non, c'est bon. Bah, vas-y, Agon. T'es toujours en Whisper, Agon, ou pas? Ouais, mais je les entends pas. Ok, bah, tu repars vers le spawn là. T'as pris les pieds. Et moi, là, je pars dans le bon sens là. Retournez vers le spawn, vous allez tomber sur une tête de l'homme vert. Attention, boulet. Il a retiré à gauche, mais bon, les 7ème on s'en occupe, je pense. Ah ouais, je vois la ligne là-bas. Ouh là 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 là. Bah, c'était eux. C'était la ligne. Chrono, c'est le seul qui a oublié de me retirer du Whisper. Vous voyez nos canons un petit peu à gauche? Allez vers eux, il y a les Land Verts juste à côté. Ouais, on les voit. Quoi on se met ici, ouais. Bah, dès que t'as une bonne position, Agon tire parce qu'ils sont trop nombreux pour. Ouais, mais faut qu'on s'avance encore un petit peu là, on peut les avoir un peu dans le dos. Arrêtez-vous au niveau du rocher là. Ici. et feu 1. Oh, formation pâtée. Tirez dessus, ils vont essayer de nous charger, tirez dessus tant que vous pouvez. Backer vers le deuxième, backer vers le deuxième. Bon bah c'est la ramasse l'épée ou pas? Reculez. Rechargez pas, rechargez pas. Ah j'ai besoin encore un peu. Fuyez pour Bobby. Ah j'ai pris de ces balles. C'est bon, j'ai anticipé à l'ordre. Mettez-vous à couvert derrière les deuxièmes. Rechargez. Attendez que les deuxièmes chargent. Ils sont paqués là, ils sont paqués. Allez-y, chargez les gars, chargez, chargez. La défense entre les trucs. Putain, comment j'ai pu ne pas toucher? Ah, c'est bon, vraiment le 7ème, ils sont tous à pied. Bah oui, ils pouvaient pas faire autrement, ils avaient fait un carré de Maricane. Attention, TK les mecs. Ouais, c'est pas grand chose. Te plaît mon sabre casté? Ouais, il est sympa. Agon, il a pas voulu. Ah, c'est pour ça, il était au sabre. Non, on change un fusil contre un sabre de Bebrand. Faites pas de TK, s'il vous plaît. Du chaud casté. Ouais mais j'arrive à mettre. C'est bon, il reste quoi là leur art? Il reste une poignée d'artilleurs. Bah, une poignée il est tout seul. Non non j'ai rien dit, ils s'en fait massacrer par le 45e. Il y a un gars qui a... C'est renti mais j'ai vraiment... C'est Yellow là le dernier. Faut lui mettre un beacon. J'aime ça le beacon. Oui. Bon bah il a été beaconné. Il faut pas beaconner les gars. Ah non. J'aime l'odeur du beacon. Il a un grade de musicien. Tu vas sur le bon coin, tu mets une BMW à 15 000 €. Avancez en déployé. Contactez-moi juste par téléphone. T'as plus de vue. Ça fait du bien de jouer soldat de temps en temps. Ça me manquait. Mais pourquoi Chrono il a pas spawn? Il est parti manger. Parce qu'il est sec. Mais il aurait pu se mettre en spec quand même. Truand de la galère. Tu peux pas tester. Et quand on start de test à droite. Sur la colline. Ouais ça. J'en vois masse à droite, tout au fond à droite là-bas. Ouais, ce que c'est Fry Corps. Et un TE. J'ai pas de jumelles. Attention. Non c'est pas pour nous. Loin. Juste derrière. On n'est pas les chances de débouler aujourd'hui. Ça picote. Bon, on a encore plus d'artillerie avec la VD qui... Voilà. Et voilà. C'est le rôle de la cave ça. Les 7ème devraient rester en défense de la cave au début quand même. Bah oui, c'est 7ème de faire ça. Comme ça, ils laissent faire du kill aux autres régiments. Demi-tour les gars, vous coupez vous autour de moi. Non, c'est un pote. Cave sur nous. Ah non, c'est 7ème. C'est juste qu'on était trop dispersés et qu'on va faire demi-tour. Je sais qu'Aximus. En fait, on est passé à gauche et eux aussi, du coup. On se tourne. Ouais, on se tourne autour quoi. Problème. Mais là, on a énormément de pertes. Hein. Enfin, énormément. On commence à avoir beaucoup de pertes. D'ailleurs, attention au boulet. Si on pouvait perdre les boulets. Oh putain! Wow. Oh. Il m'a frôlé. Bah, moi, il a ciré mes chaussures. Oh, moi, il les a lassés au passage aussi. Il a ciré tes chaussures? En contrebas là. Ah oui non mais ils sont tous là. Non ça forme, c'est joli. Il y a la cave qui sont dans les barricades, passe pas moi, pas moi. Mettez-vous ici. La cave, la cave, la cave sur nous. Regroupez-vous autour des barricades, autour des barricades. Oh je suis crevé. Je n'aurai pas de temps. Les gars au sol les gars. Putain il m'a one-shot. Gaffe parce qu'il y a des fracorps en partout. Oh on va prendre tellement cher. Merci Franz. Dégommez le putain. Dégommez le putain. Allez-y, allez-y. Pas tous. Oh merde. Il one shot son sabre. Je déteste ça. Oh de flanc les gars. Attention dans votre dos. Genre ils ne tirent pas dessus. Ouais. Tirez de flanc là. Rechargez. Tirez de flanc. Ils sont immobiles, ils sont immobiles. Laissez les hussards, laissez les hussards. Il en reste que 2 des hussards. C'est plus une gêne que... Ah non. Tirez sur le paquet là, le paquet de Frycorps. Je suis devant vous là. Attention. Putain ils font chier. Il en reste que 2 des hussards. Ok, une CB. Le 7ème. Ouais, bien Maximus. Bah si. Bon, chargez les gars, chargez, ça sert à tirer. C'est moi, c'est une grosse charge de fenêtre. C'est en fait quand on n'a plus aucune tactique et qu'on fait n'importe quoi. Non mais le 45e était ses lignes de tir mais en fait ils ont grimpé la colline et ils s'en trouvaient nez à nez, alors les gars en face ils ont chargé. Mais bon, en plus on a une cavalerie, dans le tas parce que... Au final on leur a fait assez mal avec le deuxième à leur cave et du coup c'est mon truc. Ah non on gagne. Bah, parce qu'on a du skill. Non, mais c'était... C'est assez évident. Parce qu'on est meilleur à la baio, quand même. On est meilleur à la baio, puis surtout on avait une cavalerie dans la mêlée. Une cave dans la mêlée, ça allait énormément, quoi. Alors surtout que la leur, justement, avait des gommages. Ils auraient dû rester en retrait. Ah, calane. Les gorges, ils sont pas mauvais à la baio. Ouais. Bah, on a chargé 37 contre 34, au final, on a encore 22 en vie. Hein. Alors, les Freikorps, si je me trompe pas, c'est les 4e grenadiers. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il est AFK. C'est le même. C'est le même, c'est musicien. J'adore ça. Je suppose qu'on change de round. Je pense qu'on va changer de map. On change de map. Ouais, c'est bon. Non, mais vous suivez la colonne. Si l'officier. Ils sont en paquet, c'est les deuxièmes là. Ouais. Ils sont en paquet. Vive la France! Vive la France! À la bataille! Déployez-vous. Ça va, camp? Ah, bien sûr. J'ai une idée, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière la colline. Faut voir s'ils ont eux aussi une colline. Ah bah... Là, bon, alt, reste retiré là-bas. Ouais, ils sont tout au. Ouais, ça va, camp, ouais. Ils sont tout au. En plus, là, les contournements, ils sont en bord de map. Où est leur cave? Ils partent à gauche là. Allez, suis-moi, on y va. Comment tu vas à gauche? Bah, je suis en haut. La ligne. Non, non, mais Franz. Genre là-bas, c'est. T'es passé au tir là? Ouais. Ouais, je vois ça. Derrière, parce que je suis fait un saut de voltigeur. Je t'ai cassé une jambe, mais c'est pas grave. Bon, sans en déployer, hein. On voit qu'avant. Ils font quoi là-bas? Ils font une inspection de moustache? Je sais pas, mais ils vont se prendre des balles. Ils ont pas compris, c'était live à mon avis. Fais-nous garder les hauteurs, parce que si on descend dans la crevasse là, leur cabane va nous foncer dessus. Mettez-vous ici, là. Ça leur fait une jolie surprise là. Si on se carniche, essayez de faire le plus de hit and run possible, restez, allez pas trop en avant. Si ça renvoie le feu, autant que vous essayez de bien un petit peu. Oh putain, je croyais que c'était moi. Non, mais c'est dingue, vous tirez, c'est les 45e qui font des frags. On est gentil, c'est pour ça. C'est l'effet papillon. En fait, nos balles ont touché les leurs, c'est amené sur la bonne voie. Ah, ouais. C'est le fait papillon. Ouais, j'ai pas voulu charger la chanson française à ce point-là. Oula, j'ai touché, ouais, je suis content. Ah, moi, je me suis fait toucher. On va se prendre une câble. T'as touché combien? T'as acheté un? Restez pas devant, les gars, restez pas devant, il y a des rifles en face. Ouais, mais bon, l'avantage c'est qu'on est en ligne. On a besoin, on peut reculer sur la petite ligne. Petit poussé à la gauche, essaye de te réaxer un peu. Et j'ai encore touché. Moi, je le mec poussé à la gauche. On te parle. Je les vois pas. Attention, je passe, Blacko. Hop. Il reforme. J'ai vu arriver. Peu cher, les 4e, ils se font doser quoi. Ils sont pas tout à fait à côté. Continuez le tir. Ils voient plus haut. Décalez-vous à droite, entre les deux arbres, ça gênera la vue de rifle et continuez à tirer sur les fréquences. Loin, on a un peu les gars, quand il dit déplacez-vous à droite, c'est en skirmish latéral, passez pas devant. Et vous passez derrière eux, pas devant. Skirmish latéral, ouf, oui. C'est innovant ça. Attention, sur notre droite là, ils ont engagé. On va partir à droite. Faites un développé couché. Par contre, ça avance vers le centre. Putain, ils ont pris. Bon, ça c'est une charge. Ouais, forcément, regarde les 45e vont former, je pense. Sur les bottes, là. On peut les avoir sur le côté là. Ah, il y a les rifles à la gauche. Hein. On va les aider parce qu'ils ont fait. Non, c'est au Freikorps qui arrive. C'est bon, rifle sur notre gauche. Continuez, vous mêlez pas du combat. On continue sur notre lancée. On va intercepter les Freikorps avant qu'ils arrivent. Ils sont juste en contrebas là. Non, ils sont là. Là. Okay. Restez sur les hauteurs. Descendez surtout pas. Du coup, les Freikorps. Allez-y. On forme une belle skirmish. Oh, je l'ai raté quoi. Ah, j'en ai un. Il est. Faites gaffe dans notre dos, rifle les mecs. Ah, ils sont deg. Attention. Avancez, passez la colline. Passez la colline, ils ne tireront pas dessus. Passez la colline et continuez de tirer derrière. C'est un boom. Bon, il y a nos 7e qui vont sur la. Ah, il est Freikorps. Attention à la cave. On back. Backez vers les hauteurs. Les gars, tout de suite là, on bouge. Cassez-vous, putain. Ah, c'est. On va prendre. Carabino. On va prendre. Ok, on charge. Contre-charge, les mecs. Comme si je sortais... Putain. Nul. Putain, le fail. Putain, tire là. Merci, Cassé. Je tape toujours dans le dos, moi, c'est normal. On a bien spammé, là, ça fait plaisir. Ça va. Les Fray Corps. C'est les 45e qui font du... Ah, on les a soumis, là. Ah, Eric est mort. Personne ? Si, il y a plus l'artillerie, je crois. Ah, il y a plus l'artillerie. Dirigez-vous vers l'artillerie. Qui sont ? Ils sont à leur place en face de vous en train de vous tirer dessus. Ok. Un petit peu à droite. Allez, venez, les gars. Hop, voilà, passez pas loin de moi, c'est juste. Allez, go, go, go. Allez, on y va, go. Vous suivez les traces de boulet et puis ils sont au bout. Bon, enlève-vous alors, en plus. Oh, comme j'y vais en random. Non, non, rejoins une ligne, rejoins une ligne. T'es l'avant-garde. Je rejoins la cavalerie. Non, non. Ah bah vous venez ou merde, parce que franchement là, ouais, je suis tout seul. Arrête-toi, attends tes collègues. Bah mais il faut qu'ils viennent. Eh hey, mais stop toi, ils vont pas te rattraper si tu continues à courir. Allez. Tire. Allez. Attention. Allez, maintenant je peux continuer en random. Vise d'infanterie, vise d'infanterie. Oh, c'est par la droite, c'est par à votre gauche. Ils sont restés trop longtemps paqués sans bouger. Bon, 7ème charge d'eau. Oh non. Vous avez le champ libre pour y aller, hein. Y'a personne au canon, foncez. J'espère que tous les 7ème vont mourir. Ils sont planqués dans une boîte de chevauterie. 7ème, les laisse. Yes. Ah, cassez-vous, 7ème. Alors, ça va être parfait, les gars, vous allez pouvoir vous poster juste au-dessus d'eux et faire une tirée pendant qu'ils seront enfermés dans leur boîte. S'ils essayent de sortir, vous les niquez. En fait, il y a une entrée entre deux gabions. S'il y en a un qui passe, vous l'alignez. Dis au 7ème de se pousser pour qu'on puisse tirer. Poussez-vous les 7ème. Allez-y, tirez leur dessus, là, tirez leur dessus. Mais là on change pas. Ouais, non, mais s'ils se mettent devant, c'est cool. Aïe. Cast. Et ouais, Agon qui a dit on charge pas, tu charges pas. Blackheart. Bah ouais. J'ai déjà tiré ma balle, j'allais pas recharger devant eux alors qu'ils me disaient. Ouais. Voilà. C'est le dernier, c'est le cavalerie. Oh, mais c'était nul. C'est nul. Allez, cochons. Ils ont dû partir tout à gauche là, non? On s'amuse avec Pierre. Derrière la colline, ouais. On va pas charger à découvert sur 300 mètres. Si. Piqué de charge. Bon, merci tous Blackheart. On va charger sur Skidro qui se prend tout. Hein. J'ai dit sabre clair, uniquement coup de la beurre. Sinon ah non, ballon alors. Je reste là, je bouge pas. Ok, mais venez, suivez-moi. On va faire une opération commando à droite. Oui. Prenez vos bas. On va bien rigoler. Tax Force Voltigeur. Prenez vos opinels numéro 1. C'est ça, c'est un petit opinel le truc. Ils protègent leur canon cette fois. Non. Ah, ils font pas leur... Là, ils sont bons les deuxièmes. Faites gaffe au tir de canon. Ok. Voyez l'arbre avec les monceaux de caillasse à côté. On va faire une belle formation skirmish bien déployée. Vous tassez bien les cailloux. Et peu avancé en face. Et toujours prêt à baquer. Caillou magique. Plus canon. Moi, je vais me mettre dessus. Derrière celui-ci. Oh, touché. C'est peu, si c'est peu, on avance à droite sur la colline, suivez-moi. Je sais pas ce que je me suis... On chargera après les gars, allez on bouge. Faites gaffe à pas rester aligné par rapport au canon parce qu'on va être à l'abri de la ligne et on va être deux par rapport au canon. Donc surtout, mettez-vous dans la longueur et pas dans la largeur. Venez, suivez-moi. Continuez à avancer, Maximus. Je recharge. Halt. Pas monter. Restez pas trop... attaqué. Ah oui, restez pas ligne, restez pas ligne. Il y a les canons qui sont sur votre gauche, ils vont nous tirer dessus. Bien, bah. Si c'est le feu, on a eu de la chance. Si c'est le feu, venez on avance. Ils sont arrêtés. Attention, ils ont des armes. Oh putain. Attention, ils ont des armes. Ils ont tiré, ils ont tiré. C'est une remarque judicieuse ça. Attention, ils ont un œil pour viser. Ils ont des chapeaux. Ah oh, putain, je l'ai raté. Aïe. Aïe. Ah les rifles. Ils sont où? C'est le feu. Dans notre dos. On y va. Oh ça va. En avant, en avant, en avant. On va se débouffer dans le arrêtez de se chercher. Go, go, go. Je l'ai là. Ah mort. Yolo. Yolo. Et chargez. Non, tirez pas d'ici, ne tirez pas d'ici. Wololo. Ah, les chopes dans le dos. Convertissez-les. Ah, Olio. Wolala. Contre si les canons tirent là, on est grave. Sprort. Ah, t'as pris me la mettre. Putain. C'est bon, tu t'es pas fait TK comme un arc qui avait des canons. C'est le combat, c'est le combat. Pour former à mon niveau. Attention, le boulet de canon plein milieu. Bien dispersé. Coup de... Ouais, je mets le 7ème en retard. Ouh la vache. On s'en sort bien. Ils sont venus pour se prendre des boulets. On va former un officier. Ok, venez au sommet de la colline et montez sur l'officier. Bien joué. Joli. Une balle, un mort. Et oui, c'est toi là? Non, moi je suis mort. Ouais, bah c'est toi là du coup. Je sais pas. J'ai pris tes balles. Oh putain, je touche encore. C'est le feu, c'est le feu. C'est le feu. On va bouger à droite. On va bouger, bouger. Allez, prêt. Go, 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 go. Oh putain. T'es prévenu. On peut zouker. C'est les réflexes de madame. T'as dû le voir arriver dans ta face quoi. Soka dance. Moi j'ai vu frôler mon nez pour aller se loger dans un pot de cristal. C'est excellent. Putain, passe à droite. Eh la ligne ils s'accroupissent. De toute façon là c'est dans la logique c'est les grenadiers qui vont se prendre les balles. Dis donc il est petit ton fusil Vaegir. Si vous vous rapprochez suffisamment vous pouvez les flanquer un peu. C'est marrant leur formation léger. Je te dis parce que je vois de la cave au fond, je sais pas si c'est la nôtre. Ouf, tu le sens venir ce fail? Tu le sens venir cette annihilation? Il se barre les... En position, il faut monter sur la ligne. Ça c'est fait. Il reste qu'un seul cavalier ennemi qui est en train de défoncer tout nous ça. Ouais il fuit là, tire leur dessus. Bien joué Carabino. Ah mais il se rapproche. Non mais Vaegir, Vaegir c'est quoi ça? Bien joué. Putain il l'a eu en plus. Putain mais je rêve. N'importe quoi. Bon mais Vaegir tu prends un officier, t'es plus efficace que moi avec tes armes. Putain Vaegir il a fait un bitch please là. On dirait Blacko. Ah putain. C'est la rançon du succès qu'est-ce que tu fais? T'as bien changé ton tag au fait Vaegir. C'est la déposition divine de la moustache. Oh bim. Joli. Vous savez où on peut prendre l'abonnement la pistinière? Demande à Jordan, c'est connu. Il est encore vivant lui? Il est plus dans le corps en tout cas. C'est le feu. C'est le feu. Mais je crois que c'est Blacko qu'une fois qu'il a mis un headshot au pistolet, mais genre de tout. Mais Black il arrête pas au pistolet, c'est une bestiasse. C'est un moule shot. Killshot Tostin 360. Non, on s'arrête pas dans le caillou pour fuir la charge, on y va avec ces petits camarades. Ah mais... Il a quand même des cailloux là. Ouais. On charge comme des bestias. J'avance en zigzag. Pour la moustache. Pour la moustache. Pour la moustache. Pour le yolo. Vous avez le sar qui vous aide à gauche. Continuez à avancer. Pour Vaegir. Fuyez. Excellent. Courez. Tweet les gars. Oh oui. Ah non c'est bon il y a le 7ème on est là. Ouais bah... Ça les a bien... Ah je vais au couteau à beurre, chamalade moi. C'est beau. Je sais pas quoi, je crois que j'ai sauvé mon officier. Casse t'es un peu suicidaire avec ton couteau à beurre. Putain ils peuvent rien faire avec leur cross, quoique. Oh non Franz. J'ai reçu une balle à ta place si tu fais ça derrière. Partout quoi. Partout ok. On a fait de la merde hein. Non, bah non, c'était très bien sorti, je sais pas que tu parles. Bah vous avez chargé une position défensive, il y a forcément des pertes. Hein. Je suis 3ème, Aïe. Moi j'étais premier sur la première map mais... Bon, est-ce qu'il reste un 5ème en vie? J'étais le dernier. Ah. J'ai 5ème dans le top 10, ça va pas. Ah, c'est le mini roi lion ça. Former une triple colonne. C'est fou. Ouais, mais j'aime ça. Ça crache du feu. C'est un carré qu'on fait. Attention, appuyez tous sur Shift, on y va ou pas? En avant. J'en fais. Oh, Agon, casse. Non, c'est Agon. Non, mais ouais, ça marche pas. C'est pas la bonne touche. Ouais, ça sert un peu à rien. Double colonne en avant. Double colonne, c'est vraiment pour faire comme les grenadiers. Hein. C'est une double colonne, c'est sûr. Oh, YOLO. Oui. Oh, genre... oh, arrête de dire YOLO, c'est trop swag. Non, c'est l'autre qui l'a mis. Est-ce que tu mets des casquettes des Yankees de New York? Carabino. Si oui, tu as le swag. Attention, formation en V. À la fin, tu prends quelques sprints. Avec les pour Vendetta. Raté de ta formation. Ah oui, c'est vrai. Et V, il a dit... Ouais, bah y'en a un qui est parti entre les 7ème. Oui. T'as pas ça. Allez, vas-y, c'est le dernier round. Vas-y, Moïse, écarte la mer. Et si on trouvait le cheval de Cocorico, il met toute une droite. Ah ouais, ouais. J'ai essayé, mais... l'office. Non, avancez, avancez, vous arrêtez pas pour... Alors lui, soit il est à l'FK, soit il fait des TK. Venez à gauche. On peut te dans leur gueule. Dans le mille et mille. Il y a plus de deuxième. Venez à gauche, à gauche. On peut se disperser. Faut tourner déjà. Oh non, j'ai besoin d'un mouchoir. On anticipe. Encore. Il y a vraiment plus de deuxième. Ah non, un mouchoir. Bon, moi, je vous rassure, parmi tous les morts du deuxième, il y avait juste de Drasfun qui a une baïonnette notable. Sachant qu'ils sont ni notables au tir, ni notables à la baïonnette, et heureusement qu'ils servent à tirer les canons. Lol. Lol. Bon, ça va, on a un avantage numérique par rapport à eux, donc ça compense. Heureusement. Numérique. On est chez les numéricables. On est 10 de plus. On est 4 de plus. Ah oui, non, tant pour moi. Ben, non, on est 4 de plus là. Attendez, restez derrière la colline à gauche. Restez derrière la colline. Attends, je vais ramasser les genêts. Dispersez-vous bien et faites du bien. Ouais, dispersez-vous le V. Touché. Disperse-moi. Celui qui tue, il a un cookie. Après parler, je peux encore tirer moi. Gun. Attends, je recharge. C'est le feu, par à gauche. Mais j'ai pas pu tirer. Je suis obligé de ramasser un vieux mouchoir dans la poubelle pour le réutiliser. Putain, de me lever. Passer les détails, oui. Allez, en avant. Non, mais... genre, il était collé à la paroi. Il y avait quoi dans le mouchoir? Ah non, ça c'est dans la poubelle de la morphe, ça. Ah ouais, le... ah ouais, t'as la poubelle. Et ouais, c'est pour recycler. Spécial. Le mec qui s'enfonce à chaque phrase. Et ouais. Il y a aussi les petites lingettes pour se nettoyer les mains. C'est bon, c'est bon. En avant. On va prendre cette putain de colline. Quand on a les mains qui collent, on s'en fout. Moi je vais rester derrière Franz, comme si je peux prendre son pistolet, comme il sera mort. Pistolet. Oui. Non, on back les gars, c'est l'ordre le plus sympa. On leur colle une petite balle quand même avant de partir. Hop. Non. Maintenant. Pour le principe. Positionnez-vous à mon niveau. Pendant toute la bataille, t'attends cette heure. Il prend à droite, les gars, à droite, à droite, à droite. J'ai la colline là. Je suis tout seul. Venez, à droite. Ouais, tu vas rester tout seul. Non mais tirez pas, j'ai dit à droite, arrêtez de tirer. Chez vous. Oh, skidron, vous êtes à découvert là, venez. Chez vous. C'est quoi la cave? Il nous suit ou pas? Non, non, c'est pas la nôtre. Sur la cave. Il y a les 7ème qui arrivent derrière, fait chier. Putain, mais ils sont pas drôles quoi, laissez nous mourir, bordel. Ouais, c'est clair, en paix et tout. Allez-y, il y a une belle ligne au sommet. On n'a pas la même définition de paix. Ils nous chargent. Bien placés, ils viennent sur nous. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont bouffé le deuxième? Putain, je suis dans l'axe du lion. Bah, des boules ils bouffent, à part ça. Et c'est qui le lion maintenant? Continue le tir, continue le tir. Oh, nickel, la charge de 7ème, magnifique. Merde, j'en ai raté. Fais du tir dans le tas, on s'en fout. Tu couperas ça. C'est que des 5ème, 7ème. Freikorps qui arrive derrière. Yes! Oh putain, Versus, il a fait un moule shot. Derrière qui? Ah oui, derrière. Parce que Versus sur anglais à gauche. C'est parfait qu'on nous dit là. Versus c'est leur officier. Donc c'est à dire qu'il a mis un moonshot de loin au pistolet aussi. Continue le tir. Je veux pas savoir ce qu'il fait vert. Attendez, c'est ça mais c'est le feu qui nous laisse tirer au moins. Venez à droite. Suivez-moi. J'ai dit tirez pas. J'ai pas tiré. Non, mais je dis Pépin, c'est ouais, non, j'étais juste en jeu, ouais. Mais je regardais pourquoi. Tu vois, regarde le nombre de pertes qu'ils ont eu les 7ème. S'ils nous avaient laissé. Ah, ils tirer... ont chargé deux lignes en même temps. Et la seconde, elle leur a tiré dessus à bout portant. Là, ils ont perdu tout leur régiment. Bah, enfin, j'exagère. On a gagné, ils sont plus de 25 en face. Tiens, il n'y a plus que 45 joueurs. C'est bien joué quand même. Ils ont tous rage kit. Ouais, le mec, c'est un joyeux luron. Oui, il savait que ça s'initiait à 6 parties, donc ils veulent pas monter sur le gars tout seul qui court. Il reste un peu de Dreggy Rofling. Ah bah t'en as eu un. Bon, on l'a loupé, cessez le feu, on y va. Merde, c'était Agon. Mais bien derrière. Je me mouchais. Ils sont chauds là. Je vais te planter. T'as la chance, je te laisse en vie. Attention! Chargez! Je suis un dieu. Attention, ils ont des armes! Merci! Et des chars! Attention, oh putain! Mon pistolet est chargé! Bien derrière toi! Franz pourra pas nous TK! Ah, c'est l'avantage! Il a déjà pris un pistolet! Ah, j'ai pris un flingue! Ouais, j'en ai eu un! Ouais! Non, c'est Cass qui l'a pris! Oh la vache! Oh les TK! On fait que du vert! Non, moi j'ai fait un TK! J'aurais pu le faire le TK. Oh, les deux derniers ils courent quoi. 104. J'ai essayé de l'avoir au flingue. Ouais, mais les 4 tirs. Non, mais laissez tomber la carte. Ouais, genre Vaegir, vas-y. Tu vois, ils sont encore une demi-douzaine les 7. Allez, Vaegir, on fait la ligne au pistolet. Allez, allez. Tu regardes Péponi Ousouke. En jeu à 8 et 7-0. Oh putain. Putain, ils sont loin, merde. Laissez-moi tirer. On joue. Feu. Raté. Essayez de me tirer les gars. C'était drôle. Bon bah bien joué. C'est si je me trompe pas 6-0.